Bonjour, c'est Maëlle dans Basique. Elle a 18 ans, elle est fraîchement bachelière et résonne déjà sur toutes les radios avec ça. Toutes les machines ont un cœur, t'entends. Toutes les machines ont un cœur dedans. Qui parle, qui... Maëlle ne perd pas de temps. Un premier single écrit par Zazie et un premier album produit par l'une de ses idoles, Calogero. Rien que ça. Ça me fait bizarre de travailler avec lui parce que c'était tellement... Enfin, j'en revenais pas, quoi. Donc, je reviens toujours pas, d'ailleurs. Un artiste que j'écoutais quand j'étais petite, mon père, on a tout le temps acheté ses albums dans la voiture. Premier pas sous la lune, une bougie qui s'allume. Il y a tout plein de cordes, c'était super harmonieux, c'était trop bien, quoi. Et dans la voiture de son papa, Maëlle a écouté beaucoup de chansons françaises. On a beaucoup aussi écouté France Gall, Michel Berger, tous ces artistes, Véronique Sanson, etc. Donc, en fait, c'est une très belle écriture française. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Dans un tout autre genre, l'artiste anglo-saxonne qui la fascine, c'est Lana Del Rey. It's you, it's you, it's all for you. C'est très dark, c'est très triste. Mais justement, elle m'a beaucoup apporté, même toutes ses mélodies. On a envie de faire comme elle, on a envie de se créer ce personnage qu'elle s'est créé, hyper vintage. C'est la seule à avoir fait ça et j'aimerais trop faire un truc comme ça, hyper différent des autres. Pour découvrir l'univers de Maëlle, son premier album sort vendredi. Le mardi, c'est Session dans Basique. Ce soir, découvrez Sueur. Sueur dans Basique, les sessions, c'est ce soir sur France 4 et aussi sur France TV slash.